un an de travail dans l'armée de l'air. Un an de vie dans l'aviation française qui se relève des ruines de la guerre, reconstruit ses usines, étudie de nouveaux matériels et livre aux équipages les premiers avions sortis de nos mains. Le Marcel Dassault 315 d'abord, qui répond aux missions d'entraînement, de transport et de liaison. Monsieur Maroselli, secrétaire d'État aux forces armées air, qui avait commandé le MD-315, a tenu à présider la sortie des premiers avions de la chaîne de montage. Équipé de deux moteurs type 12SO2 d'une puissance de 580 chevaux, le MD-315 peut décoller à pleine charge avec un moteur stoppé. Avec ces deux moteurs, il peut décoller en 400 mètres. Il atterrit à la vitesse de 120 km/h. Le Marcel Dassault 315 doit équiper certaines unités de l'aviation française, d'abord outre-mer. Il a été commandé en série et sa cadence de fabrication a été accélérée grâce au plan quinquennal qui a été voté cet été. Le vaisseau 30C, équipé de deux moteurs Snecma 14R de 1600 chevaux au décollage, est une version dérivée de l'avion commercial SO-30P Bretagne. Avec ses réservoirs normaux, le SO-30C peut emporter 3000 kg de fret sur 1500 km avec une réserve de 10% de combustible à la vitesse de croisière de 400 km/h. Cet avion est conçu pour permettre un échange rapide des aménagements intérieurs, de manière à remplir des missions très diverses, transport de blessés, de passagers, de parachutistes ou tout simplement de fret ou de véhicules. Sa soute a été aménagée pour contenir 3 jeeps. La charge embarquée, les trappes sont fermées grâce à une commande hydraulique actionnée du poste de pilotage. Les deux trappes peuvent être ouvertes ou fermées séparément. L'ouverture de la trappe avant permet le parachutage d'objets ou l'accès des passagers. La recherche continue dans tous les domaines. Une nouvelle formule de construction semble avoir été mise au point par M. Hurel. La nouveauté de cet avion consiste dans l'emploi simultané pour la voilure de cet appareil, de grands allongements, de mâts porteurs et de dispositifs hypersustentateurs à faible traînée. Le constructeur lui-même monte dans l'avion et va faire la preuve de la maniabilité de son appareil. D'une envergure de 12 mètres et d'un poids total de 480 kg avec une puissance de 40 chevaux, l'avion expérimental Hurel Dubois peut atteindre la vitesse de 215 km/h et consomme 3,8 litres au 100 km. Un prototype de 14 tonnes est actuellement en construction. Peut-être est-ce la formule économique des avions de moyen transport de demain. Les recherches se poursuivent surtout dans le domaine de la réaction. Recherches difficiles que celles qui sont confiées à des hommes tels que ce pilote du SOM-1, maquette expérimentale montée en composite avec le Heinkel 274. Cette maquette est larguée en vol. Grâce à une fusée et à du lest, elle peut atteindre une grande vitesse en piqué. Elle comporte en outre des dispositifs permettant de déterminer la polaire en vol et la répartition de la portance et de la traînée de profil sur les ailes. Nos recherches intéressent d'ailleurs l'étranger. La plus importante visite, la plus significative aussi, que nous ayons reçue cette année, est celle de Lord Taylor, ancien chef de la Royal Air Force. Le voici devant le Breguet 891R, qui peut emporter 3000 kg de charge utile sur 1500 km à la vitesse de 280 km/h. Le gros avantage de cet avion est sa grande facilité de chargement. L'arrière du fuselage peut pivoter et un pont roulant être installé à l'intérieur.
L'Air Marshal Tedder visite ensuite un autre avion de transport construit sur un autre principe. Le Nord 2500, cargo bipoutre, équipé de deux moteurs 14R de 1600 chevaux, pouvant transporter 3000 kg à une vitesse moyenne de 300 km/h. La partie arrière du fuselage s'ouvre en deux, ce qui permet le transport de fret encombrant, la soute ayant une hauteur de 2 mètres sur 2,20 mètres de large. Le vaisseau 6020 Espadon est un avion de 8 tonnes équipé d'un turboréacteur hispano-suiza NIN. Sa vitesse horizontale est de 980 km/h à 10 000 mètres d'altitude, qu'il met 10 minutes à atteindre. 4 canons ou 6 mitrailleuses peuvent être montés sur cet appareil. Nord 2200 d'interception est aussi équipé d'un turboréacteur hispano-suiza NIN. D'un poids total de 7700 kg, il monte à 10 000 mètres en 10 minutes 30. Sa vitesse maximum à cette altitude est de 950 km/h et son rayon d'action de 2400 km. Le SE 3000 est un hélicoptère de transport. Il peut enlever une charge de 700 kg et la transporter à une vitesse de 170 km/h. La fête nationale de l'air d'Orly fut la plus grande manifestation de l'année. Les 300 000 spectateurs eurent sous les yeux les résultats de l'effort fourni depuis la libération pour relever l'armée de l'air, aussi bien dans le domaine des prototypes que dans celui du réarmement. Le Leduc, dessiné en 1938, nous place encore à l'avant-garde des recherches scientifiques dans l'étude des statoréacteurs. Cet avion doit atteindre dans un proche avenir des vitesses de l'ordre de 3500 km/h. Le SO 6000 Triton est un avion biplace d'entraînement à réaction, dessiné sous l'occupation et construit en 1946 par l'ingénieur Cervanti. Il a servi le vent d'essai. Le Marcel Dassault 450 Ouragan est un des chasseurs qui ont été retenus par le plan quinquennal. Cet avion, très maniable, équipé d'un turboréacteur hispano type NIN, peut atteindre la vitesse de 960 km/h. Sa vitesse ascensionnelle à pleine charge est encore de 10 mètres secondes à 9000 mètres. Cet appareil doit équiper de nombreux groupes de chasse français. Le Nord 2500, que l'on a vu au sol précédemment, fait une démonstration de sa maniabilité à pleine charge avec un moteur arrêté. Le SE 2010 Armagnac peut emporter 80 passagers sur 4000 km à 445 km/h. Il a une puissance de 3500 chevaux au décollage. Son poids à pleine charge est de 73 tonnes. Le SOM2 est encore un avion expérimental. Il pèsera 14 tonnes et aura une autonomie de 3000 km. On espère lui faire battre le record du monde de vitesse. Voici à nouveau l'Espadon, un avion allégé d'une tonne a été construit sur ces données. L'aviation alliée s'était aussi rendue à cette fête. Et les Skyblazers américains firent une démonstration très remarquée de leur souplesse et de la précision de leurs manœuvres. Et la fête se termina sur un défilé de la 2e escadre de chasse de Dijon, équipée de Vampire. Les recherches continuent et l'instruction des pilotes est poussée. Nos pilotes s'entraînent encore sur des appareils achetés à l'étranger, en attendant que la production française leur livre des avions sortis de nos mains, tels que l'Ouragan ou le Vampire construit sous licence. À Dijon, la 2e escadre de chasse a été transformée la première. Ces pilotes ont maintenant leur Vampire bien en main.
Chaque jour, ils volent avec cette discipline qui fait leur force et leur honneur, et le sifflement de leurs réacteurs emplit le ciel de sa puissance. De Dijon, en 15 minutes, ils peuvent être sur les Alpes, où les formations survolent les glaciers. Leur vitesse les met à 2 heures de l'Afrique du Nord et à quelques minutes de nos frontières. Dans l'aviation française ressuscitée, ils sont les premiers partout. Fondée par le capitaine Amouroux en 1932, la patrouille d'Étampes a compté dans ses rangs des as comme Fleurquin, Dumas, Cartier. Dispersée par la guerre, elle fut reconstituée par le commandant Perrier, que l'on voit ici expliquer une manœuvre acrobatique d'ensemble. Pendant toute la belle saison, la patrouille d'Étampes donne des exhibitions dans toute la France. Elle attire les foules, elle enthousiasme les jeunes gens par ses évolutions de haute école. La patrouille d'Étampes a bien servi le prestige français. Mais l'année 1950 a marqué sans doute la fin des avions Stamp. En 1951, équipés de chasseurs à réaction, les pilotes d'Étampes pourront rivaliser sur un pied d'égalité avec les patrouilles acrobatiques modernes des Anglais et des Américains. L'aviation combat aussi dans l'Union française. Accueillie à son débarquement par le chef d'état-major de la 4e région aérienne, la 3e escadre, chargée de gloire, retrouve avec joie la France qu'elle avait quittée pour aller défendre le sol d'Indochine. Le général Murtin commandait à ce moment la 1ère division aérienne et la 1ère région aérienne. Il reçoit le général Fay, major général de l'armée de l'air, qui décore le drapeau de la 3e escadre. Comme chaque année, une nouvelle promotion d'élèves de l'école de l'air reçoit le nom d'un héros de l'armée de l'air. Ce sont les noms du capitaine de Seine, du Normandie Niemen et du capitaine Astier que porteront les promotions de cette année que le général Valin, représentant le ministre de l'air, était venu saluer. Les jeunes officiers défilent ensuite, avant de quitter Salon de Provence, pour les formations de chasse ou de transport. Et c'est le dernier rite de la religion de l'honneur qui leur a été enseigné. Car c'est dans la religion de ces héros que l'armée de l'air puise sa foi. Et c'est à leur exemple qu'elle doit le miracle de sa résurrection. Marin Lamellet, l'un des plus grands pilotes de cette guerre, est tombé sur la terre d'Alsace le 4 février 1945. Ses camarades sont allés, en juin dernier, l'inhumer dans le tombeau en forme d'étoile qu'ils lui ont élevé près du village de Rustenach, où,
en présence de sa famille, les honneurs militaires lui ont été rendus. De Marin Lamellé, type éternel du soldat et du pilote, est conservé pieusement dans une armée de l'air tournée vers sa résurrection.